Ibrahima Rabdouam est infirmier, jardinier, et il enseigne aux femmes les bases de l'écriture et de la lecture. Il est inspecté par une autorité gouvernementale et ne perçoit aucune rémunération. Approchez, approchez et venez à la rencontre de ces hommes et de ces femmes. Partagez avec eux le lait et les contes. Le mystère et le mythe, le tabac et le voile, la viande et le thé. Partagez et devenez enfants du désert. Venez à la rencontre d'un ami. Dans le village de l'Oued d'Emdigra, les jardins sont en réhabilitation avec le concours des animaux qui, eux, ne tombent pas en panne pour remonter l'eau des puits, pour arroser les jardins, pour boire, cuisiner, pour vivre, quoi. Monter et démonter un campement est un travail pénible. Ceux qui ne nous connaissent pas imaginent souvent les nomades comme d'éternels touristes, se promenant au gré de leurs désirs. Le nomadisme, c'est le désert qui l'impose. Dans nos contrées, il y a peu d'eau, donc peu de pâturage. Et pour nourrir les bêtes qui nous nourrissent, nous devons les suivre dans leur transhumance le long des Ouèdes. A écrit Mano Dayak. Était belle. Quand l'abondance des puits et des pâturages le permettait, toutes les familles se retrouvaient pour les grandes fêtes. Que l'Imzad chante et tous font silence. Le crissement de l'Imzad se fond dans le souffle des désirs inassouvis. L'Imzad a toujours pour interprète une femme. Tu sais, Caroline, le conte est imaginaire, mais l'histoire est vraie, m'a dit Boubikir le jour où il m'a transmis ce conte. Un homme et une femme vivent en brousse. Ils n'ont rien à manger tant la sécheresse a été foudroyante. La femme est enceinte et l'homme meurt quelques jours avant la naissance de l'enfant. La femme part seule dans la brousse à la recherche de nourriture. Elle marche, 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 jusqu'à arriver près d'un arbre au large tronc. À l'abri de cet arbre,
elle accouche d'un petit garçon. De l'autre côté de l'arbre arrive une lionne, enceinte elle aussi. Et à l'abri de l'arbre, elle accouche d'un lionceau. Les deux mères ne se voient pas. Le temps passe et la femme et la lionne partent chercher de quoi manger. Les bébés restés seuls jouent et se rejoignent devant l'arbre. Ils ne se connaissent pas et ne sont pas effrayés lorsqu'ils se découvrent. Qui tu es, toi ? Je suis l'enfant de la femme et de l'homme. Et toi, qui tu es ? Je suis l'enfant de la lionne. Les deux enfants gardent secrète leur rencontre, et dès que les mères partent chasser ou vont au puits, ils se retrouvent pour jouer. La suite, vous la connaîtrez en lisant Un ami, contes et paroles nomades en pays touareg. Même quand elle ne joue pas du violon, la femme touareg occupe une place centrale dans la société des nomades. Elle est toujours volontaire pour les travaux les plus pénibles. La nourriture de base est faite de riz, de haricots blancs, de pâtes, du thé, du sucre. Dans les campements de brousse, ou quand il y a de l'argent, ils peuvent acheter des choux verts, des betteraves, des tomates séchées, des carottes, des ignames. Ils peuvent aussi se procurer du fromage, du lait de chamel, du lait de chèvre. Quand ils sont éleveurs, la vente d'un mouton ou d'un buffle leur permet d'acheter de l'huile, du mil, du sucre, du thé, du riz, des tomates séchées, des pâtes, des oignons, du savon, des ustensiles.
et aussi la Takuba, cette épée touareg. Des couteaux, des étoffes, la selle de leurs chameaux, des bijoux, de quoi vivre et se nourrir. Un enfant avec sa mère apprend l'écriture tifinagh, mais aussi la langue tamashek, la langue des Touaregs. Il apprend les contes, les légendes, l'histoire de son pays, le pouvoir et la vertu des plantes. Avec son père, un enfant apprend le courage. À la fin de la saison des pluies, l'herbe est abondante dans le Sahel. Elle est répartie sur de grandes distances. Les éleveurs guident leurs troupeaux à travers les pâturages dans une transhumance de 300 à 400 km pendant 2 à 3 mois. Tous les troupeaux sont réunis dans des pâturages riches en sel. La nature est un œil qui jamais ne se ferme. L'innocence de l'eau, tel est le secret de la passion qu'éprouvent pour elle les enfants. L'eau sait nous dire « je t'aime » en déposant sur nos lèvres le plus doux des baisers. Devenir étranger à la nature, tel est le secret de nos maux. L'arbre n'est plus lui-même si le vent ne joue pas avec ses feuilles. Tamat, Takunt, la femme, c'est l'étonnement. La femme contient tellement de mystères qu'elle est comme l'océan. Celui qui veut comprendre l'océan doit l'explorer. Proverbe Touareg. La femme Touareg sait défendre ses intérêts. Elle a toujours refusé la polygamie et elle a obtenu gain de cause. Elle est libre parce qu'elle a le moyen d'assurer son indépendance. En cas de divorce, c'est elle qui garde la tente et dispose de son propre troupeau. Les mots, ils sont dociles, doux et charmants. Ils vous suivent partout, tout au long des chemins et vous font tout dire. Il faut beaucoup de patience pour les apprivoiser, surtout quand ils sont d'une autre race. Il suffit d'un rien pour les effaroucher. Je crois qu'ils n'aiment pas le bruit. Ils préfèrent la solitude. Ils sont omnivores. Ils se nourrissent d'un grain de joie, d'un grain de douleur. Ils boivent l'eau des océans, des mers et même des petits ruisseaux. Le poète est leur berger. Il les compte et les recompte chaque soir quand le silence descend sur la terre. Pourvu qu'ils soient au rendez-vous. En quelque pays que tu entres, conforte-toi ces mœurs. Tes pieds t'emmèneront là où se trouve ton cœur.
Les leçons que me donnait mon père étaient courtes et précises. Chacun de ses mots avait une valeur, et lorsqu'il se taisait, c'était encore des mots qu'exprimait son silence. D'un geste ondoyant, il m'indiquait une empreinte inscrite dans le sol, et je savais que c'était la trace de la vipère à cornes. D'un geste encore, il me mettait en garde contre la dune poudreuse dans laquelle le chameau s'enfonce jusqu'au boulet. Lorsque, à travers la fente de son tagelmoust, ses yeux fixaient les miens, je savais que c'était pour me dire « As-tu bien retenu la piste que nous avons suivie ? Ou alors, as-tu vérifié les lacets qui retiennent tes gourdes ?» Voilà le pauvre petit. Voici le doigt de l'anneau. Voilà le grand qui n'a pas de fruit. Voilà celui qui lèche le miel. Voilà celui qui écrase les poux. Comme la fourmi, comme la souris, comme la poussière du thuya. Chemine sur le sentier sereine, agile. Soudain, la voici immobile, traquée, apeurée. Elle voudrait fuir comme un oiseau. Petite gazelle, elle attend. Le souffle court, prise au piège. Le temps d'un sourire. Et je l'ai vue se fondre dans les épines d'un acacia. La Kursallée d'Ingal est un événement annuel très important pour les éleveurs Peuls et Touaregs. À la fin de la saison des pluies, l'herbe est abondante dans le Sahel. Elle est répartie sur de grandes distances. Les éleveurs guident leurs troupeaux à travers les pâturages, dans une transhumance de 300 à 400 km. Au cours de ce périple, à la mi-septembre, tous les troupeaux convergent vers la ville d'Ingal. Cette grande réunion est l'occasion,
pour les éleveurs Peuls et Touaregs de célébrer la grande fête annuelle de la cure salée. La fête de l'Aïr, à la période de Noël, se déroule à Iférouan. Concours de vêtements traditionnels pour les Touaregs et les Peuls. Dans ce monde sans fin, tout me semblait miraculeux. Une concrétion de sable devenait une fleur. Une graminée, venue là par prodige, traçant de la pointe de sa tige courbée par la chaleur une reine idéale dans laquelle s'inscrivaient les empreintes de gazelles. J'imaginais la course des gazelles, leur saut gracieux pour détendre leurs muscles, leurs langues haletantes pour retenir la rosée du matin. Mm-hmm.